Et bienvenue sur le chantier du Majestic. La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité ne peut être organisée dans les conditions habituelles et la municipalité de Montreux a donc choisi un format vidéo et de vous faire découvrir à cette occasion le chantier du futur grand théâtre, le Majestic. Chers Montrelaises, chers Montrelais, chers voisins, chers amis de Montreux, chers amis, Bienvenue et je vous propose d'entamer une visite avec, au cours de cette visite, quelques rencontres. Allons-y, je vous invite à pénétrer par ce qui sera le hall d'accueil, le point de vente pour les spectacles qui se tiendront au Majestique également, naturellement, puisque c'est l'accueil, le vestiaire, un hall d'accueil, comme vous le voyez, spacieux et lumineux, qui sera... L'implantation d'un lieu culturel en tant que tel, puisque le Majestic sera un lieu de production de spectacles, de culture, de musique, de danse, de théâtre. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais au-delà de cette programmation, nous avons décidé d'installer deux propositions culturelles pérennes, à commencer par la microfolie, la microfolie de Montreux, qui sera installée à cet endroit. La microfolie, c'est une porte numérique d'accès vers les plus grands musées de France et quelquefois au-delà de la France et ici nous pourrons donc voyager depuis le centre Pompidou jusqu'au château de Versailles, découvrir les collections sonores de la cité de la musique, les collections théâtrales du festival d'Avignon et les collections picturales par exemple du musée Picasso, découvrir le monde aussi avec les expositions du musée du Quai Branly, bref, depuis Montreux, depuis la microfolie de Montreux installée ici au Majestic, petits et grands pourront euh, ouvrir les portes et les fenêtres sur les cultures du monde entier, sur ce qui fait également rayonner euh, la France. Un lieu de culture, c'est aussi un lieu de convivialité, et euh, à cet endroit, vous pouvez imaginer d'ici euh, quelques semaines un espace de restauration, parce que avant ou après un spectacle, il faut préparer, quelquefois débriefer les impressions que nous aurons vécues ensemble avec les spectacles produits dans la salle juste derrière. Et cet espace de restauration sera naturellement un endroit privilégié pour ce faire. Les cérémonies des vœux à Montreux, depuis de nombreuses années, sont aussi l'occasion d'honorer, de mettre en avant, de mettre en lumière certains de nos habitants pour un parcours, pour une action particulière. Ce sont les remises des trophées des Montrelais de l'année. Je vous invite, en, montant, en gravissant les marches de l'escalier du Majestic, à remettre avec les élus de la municipalité les trophées des Montrelais de l'année. Je mets naturellement mon masque puisque je m'approche de nos invités. Et sans tarder, c'est donc à Caroline et Mehdi Mekeder que je viens dire bonjour en compagnie d'Aris Mebarki, conseiller municipal, délégué notamment à la communication. Caroline, vous avez 35 ans. dit, on ne dit pas votre âge. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. <laughs> vous avez une passion commune. Oui. Vous avez une passion commune qui est la danse. Caroline, vous pratiquez la danse depuis l'âge de 15 ans. Vous l'enseignez oui. également. Mehdi, vous êtes ingénieur. Mais la danse est votre passion et vous, vous avez d'ailleurs décidé aujourd'hui de consacrer votre vie à la danse sans toutefois complètement lâcher ce qu'est votre métier d'ingénieur, puisque pour garder vos compétences, vous enseignez en école et en université. La danse que vous pratiquez, ce sont les danses sportives latines et standards. Vous les pratiquez en compétition et vous avez un palmarès totalement impressionnant. Je, je le lis. Vous êtes quatre fois demi-finaliste des championnats du monde. Vous êtes vice-champion de France plusieurs années. Vous êtes cinq fois champion d'Île-de-France. Vous avez gagné plusieurs fois la Coupe de France. Vous êtes numéro un en France depuis 2017. Vous êtes quatrième de la ranking list mondiale en octobre 2017. Vous êtes les meilleurs. En fait, vous êtes <laughs> les meilleurs. Et j'aurais une simple question à vous poser. Comment, euh, en étant de Montreux, en étant. Et à Tours, mais en ayant rencontré l'amour de votre vie ici à Montreux, comment est-ce qu'on devient danseur dans cette discipline particulière, les danses sportives latines C'est avec beaucoup de travail. On s'est rencontré lors de nos formations, notre professorat de danse à deux. On a professionnalisé notre discipline depuis maintenant une quinzaine d'années. Et à force de beaucoup de travail, de danse classique, de yoga, de jazz, D'entraînement de danse sportive, bien entendu, au sein de la, la FFD, la Fédération Française de Danse. Euh, nous avons développé euh, notre activité. Je retiens un mot, c'est le travail. Oui. Pour obtenir des résultats, il faut travailler, quelle que soit la discipline, y compris en danse. J'espère peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion ici, au Majestic, de vous voir danser, peut-être de vous voir concourir et gagner encore des prix. En tout cas, félicitations. Vous êtes des Montrelets qui font que nous sommes fiers de Montreux. C'est un peu notre maxime depuis quelques années d'être fiers de Montreux. On est fiers de notre ville, de notre territoire. Mais nous sommes fiers de notre ville parce que nous sommes fiers de ses habitants. Bravo. Merci pour ce que vous faites, pour les couleurs que vous portez à l'extérieur de notre ville et dans le monde entier. Aris Mébarky va vous remettre votre trophée des Montrelais de l'année. Il est un peu lourd, mais lorsque l'on est sportif comme vous, je pense que ça ne posera aucune difficulté. Félicitations. Nous sommes fiers de vous. Merci à, merci à vous. bravo. je vais gravir quelques marches supplémentaires et m'approcher de... les fiches ne sont pas dans l'ordre. m'approcher de martine simard. martine, vous êtes née à villeneuve-sur-yonne, à quelques kilomètres... pardon, c'est pas loin. Pardon pas loin. à quelques kilomètres. De Montreux, vous avez passé votre CAP coiffure en 1976 oui. et vous avez commencé à travailler avenue du général de Gaulle dans le salon de Madame Dupré. Oui. Un nom associé à la coiffure ici oui. à Montreux. Vous avez passé votre brevet professionnel en 1978, oui. puis votre brevet de maîtrise en 1979. Oui. Vous êtes devenue gérante technique du salon de Madame Dupré en, en 1980, puis vous avez acheté ce salon en 1981. Votre mari vous a euh, rejoint en 1982 jusqu'à son départ à, à la retraite en 2017 vous avez continué quelques années dans un autre euh, salon que vous avez installé euh, quelques mètres plus loin au 76 avenue du général de Gaulle avant de prendre une retraite bien méritée en 2021 vous êtes la coiffeuse vous êtes les coiffeurs de beaucoup de Montrelet. est-ce que vous savez combien de personnes vous avez coiffées dans votre vie non pas du tout c'est difficile peut-être effectivement non, non. À répondre. Ça ne se calcule pas. Je crois que c'est. On ne compte pas quand on aime. Oui. Et si je puis vous poser une, une, une simple question, la retraite étant pour les commerçants qui sont des gens très actifs, peut-être compliquée. Qu'est-ce que vous faites de votre retraite Comment vous occupez votre temps Rien. Vous ne <laughs> faites rien. Je ne, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Non, non, non. C'est très compliqué au départ. C'est vraiment très compliqué. En fait, c'est un manque. Un manque de, de communication, de, de gens, de. D'amis, en fait, lorsqu'on se retrouve comme ça, du jour au lendemain, sans, sans rien. Alors, je vous, propose mon... je vous propose peut-être de, de continuer à œuvrer pour la communauté des Montrelais et des Montrelais. Nous avons tellement d'associations, je suis oui, certain que nous pourrons euh, trouver une ou des associations au sein desquelles vous pourrez vous épanouir. Ertan Belek, qui est adjoint au maire, euh, notamment euh, Action Cœur de Ville, le lien entre les quartiers, pourra vous accompagner. Euh, si euh, c'est dans le milieu du commerce, dans le monde du commerce, nous avons besoin de vous, de votre avis, de vos conseils pour accompagner les efforts de la municipalité, pour redynamiser le centre-ville, par exemple. Merci en tout cas pour le travail qui a été le vôtre pendant autant de décennies pour les Montrelais et les Montrelais. Et Bellec Belek va vous remettre ce trophée des Montrelais de l'année pour vous signifier notre gratitude, nos félicitations et vous souhaiter surtout Merci. une très très belle et méritée retraite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous allons changer d'univers et je me rapproche d'Alain Melzassar. Melzassar, c'est l'un des premiers noms que mes grands-parents, anciens commerçants de Montreux, m'ont évoqué lorsque je leur ai dit que je venais m'installer ici à Montreux. Vos grands-parents, cher Alain, sont arrivés à Montreux en 1918. Vous êtes issu d'une famille de commerçants, justement, des collègues, des confrères. De mes grands-parents qui eux-mêmes tenaient un café, restaurant, hôtel, et votre famille tenait elle-même une épicerie-bar rue de la Poterie. Euh, C'était vos grands-parents et puis votre oncle a fondé le bar-tabac, le rallye en face, la collégiale. Vous-même, votre famille avait beaucoup œuvré dans les associations de notre commune, l'ASAM, le club de foot, euh, il y a bien longtemps, dans les années 30 à 50. Vous étiez à peine né, puisque vous êtes né en 1947, à quelques mètres de Montreux, à Toury-Ferotte. À 19 ans, vous avez été appelé sous les drapeaux, direction Cherbourg, avec un embarquement euh, sur euh, le TCD, le transport de chaland de débarquement, qui s'appelait le Foudre. Et c'est comme ça que vous découvrez, que vous intégrez la marine que euh, vous affectionnez tout particulièrement. La vie fait que euh, vous avez cinq enfants. Neuf petits-enfants, trois arrière-petits-enfants déjà. Votre carrière professionnelle s'est largement faite au sein d'une entreprise importante de Montreux, l'entreprise Solétanche, où vous avez travaillé durant 35 ans avant une retraite bien méritée en 2005. Et pour vous, la retraite n'est pas inactive, puisque vous avez continué à vivre et à faire vivre vos passions, outre la pêche, outre l'Aquario Club. Vous, êtes, vous aimez les poissons et vous aimez... Nos rivières. Vous vous êtes investi dans la vie euh, citoyenne, dans ce que nous appelons euh, la mémoire. Et euh, vous êtes euh, à l'amicale des sous-officiers de réserve de Montreux. Vous êtes au souvenir français. Vous euh, êtes à l'amicale des cols bleus. Vous êtes un marin, comme euh, nous le voyons sur votre veste. Cet amicale qui est devenu l'amicale des anciens marins et marins anciens combattants de Montreux. C'est devenu porte-drapeau en 1975 jusqu'en 1984 et à occupé encore aujourd'hui un certain nombre de fonctions. Nous vous voyons à chaque cérémonie commémorative, puisqu'après avoir été maître de cérémonie adjoint pendant quelques années, vous êtes depuis 2005 le maître de cérémonie officiel de Montreau et du canton de Montreau. Si les manifestations commémoratives sont réussies, c'est grâce à vous. Alors, pour le moment, malgré les bourrasques, les coups de vent violents, et parfois une mer houleuse. Alain, vous gardez le cap pour le devoir de mémoire et pour le devoir de servir votre pays, le pays que vous aimez, la France, avec Christophe Esparaga. et lui en charge notamment aux relations avec le monde combattant et au devoir de mémoire. Nous sommes évidemment particulièrement heureux de vous remettre ce trophée, non sans vous poser une petite question. Comment aujourd'hui peut-on faire pour que alors que les jeunes générations n'ont jamais connu de conflit, n'ont jamais connu la guerre, comment peut-on entretenir cette flamme du, de la mémoire et du devoir de mémoire Comment fait-on que, quand on est enfant aujourd'hui, quand on est un jeune aujourd'hui, on se sent cette fibre patriote dans le sens où l'on aime son pays et l'on tient aux valeurs de son pays Est-ce que vous avez une petite, une, un petit message à, à adresser aux jeunes aujourd'hui en ce sens Pas spécialement, disons que. Moi, j'ai toujours aimé le truc de voyage et de représenter notre pays. Et puis, j'ai gardé ça. Et maintenant, je garde le souvenir de, des personnes de, qui nous ont permis d'être libres aujourd'hui. Donc, être fier de son pays et, oui. et euh, ne pas oublier ceux qui se sont battus pour que nous ouais. soyons aujourd'hui des Français dans une France libre. Voilà, exactement. C'est un beau message. Merci. Merci beaucoup, Alain. Christophe Esparaga vous remet ce trophée. Merci. Nous aurons naturellement le plaisir de vous revoir. Lors des prochaines cérémonies commémoratives devant le monument aux morts. Merci pour tout ce que vous faites pour notre commune et notre territoire. Merci beaucoup. Merci. Nous montons euh, quelques marches supplémentaires. Et euh, je rejoins euh, Madame Aldina José. Aldina, vous avez travaillé à Nongi. Et vous avez rencontré Pascal à Nangy. Et avec Pascal, Pascal Boulier, vous avez décidé de vous associer. Et nous avons retrouvé place du marché au blé dans une boulangerie. Je crois que Pascal était plutôt derrière à la fabrication avec ses équipes, et vous plutôt devant à nous vendre, à nous habitants de Montreux, et notamment du centre-ville, des bonnes baguettes de la boulangerie, de la viennoiserie et même de la pâtisserie. Vous avez euh, occupé ce commerce durant euh, près de 20 ans et vous venez de le céder, non sans vous assurer de le transmettre à un professionnel de la boulangerie pour que ce commerce important du centre-ville, la boulangerie de la place du marché au blé, puisse continuer à vivre et à, à fournir du bon pain aux habitants de notre centre-ville. Alors, merci. C'est Giovanni Monnier qui est... Euh, Conseiller municipal avec un certain nombre de délégations, mais qui est le conseiller municipal chargé de la vie dans le quartier du centre-ville, puisque nous avons fait le choix pour chacun des quartiers d'avoir un élu qui soit la porte d'entrée un peu privilégiée pour les habitants du quartier. C'est Giovanni qui va vous remettre ce trophée. Est-ce que vous auriez un mot à nous dire sur ce qu'est l'amour d'un métier comme celui de la boulangerie et du commerce C'est, je crois, dans un monde un peu dématérialisé où on s'interroge sur les valeurs, on retrouve là quelque chose qui fait la France, à la fois la proximité et puis la baguette de pain, c'est d'abord ce que l'on mange le plus, c'est souvent d'ailleurs le commerçant chez lequel on va encore, on commande pas sa baguette de pain sur les plateformes de commande en ligne et puis c'est aussi un outil de rayonnement de la France à l'étranger. Est-ce qu'on est, qu est fier de fabriquer et de vendre du bon pain ah, tout à fait. Il faut avoir l'amour de ce métier même s'il est très dur. Mais oui, on est fier de vendre du bon pain, de la bonne viennoiserie, de la bonne pâtisserie. De la bonne pâtisserie <laughs> oui. aussi. Ouais. Nous sommes fiers de vous, et c'est cette fierté bien. que nous voulons vous signifier en vous offrant ce trophée des Montrelais de l'année. Bravo, merci pour ce que vous merci avez fait. Vous. Et puis bon vent pour la suite. Merci. <laughs> c'est vers un, un sportif que je me dirige maintenant, Daniel Sigoneau. Daniel. Bonjour. Bonjour. En dehors de votre carrière professionnelle, vous avez une passion. Et vous avez surtout un engagement. C'est celui du sport. C'est celui d'accompagner les sportifs et celui de faire briller et de faire rayonner la ville de Montreux au travers de ce que vous organisez. Vous êtes un athlète. Vous êtes membre du bureau directeur du CSM Athlétisme depuis 1992. Cela fait donc bien longtemps. Vous avez occupé différentes responsabilités et vous en êtes président. Vous en avez été président de 1995 à 2000, à nouveau de 2004 à 2007 et puis à nouveau depuis 2020. Vous êtes le responsable, l'organisateur avec toutes les équipes naturellement qui vous accompagnent des foulées montrelaises depuis 1995. Cette course, elle est magique. C'est un label au niveau régional, au niveau national. Ce sont 25 labels nationaux sur les 10 km, des records de participation totalement impressionnants en 2014. Je vais dire, ils étaient, parce que moi, je n'ai pas couru en 2014, ils étaient 1265 à l'arrivée, ça veut dire forcément un peu plus au départ. Cette course sert régulièrement de championnat départemental, de championnat euh, régional, peut-être en 2022, si mes informations sont bonnes. C'est Sofiane Régui, qui est adjointe déléguée au sport et à la vie associative, qui va vous remettre ce trophée des Montrelais de l'année. Je voudrais vous poser une question quand même. 10 km, c'est presque une course de fond. Comment vous, regardez ce que je viens de dire, c'est-à-dire la durée de votre engagement, comment on tient sur le fond lorsqu'on est un responsable associatif Et on sait tous que ça use d'être un responsable associatif. On n'est pas payé, évidemment, c'est un travail bénévole. Tout est compliqué, les gens s'impliquent peu et râlent beaucoup. C'est la France, on aime la France, mais c'est aussi une réalité. Comment on tient sur la durée à ces responsabilités associatives comme vous le faites C'est un peu grâce à nos bénévoles. C'est les bénévoles qui nous tiennent. On a la chance sur Montreau d'avoir une centaine de bénévoles qui viennent nous aider. Et c'est grâce à eux qu'on reste à la tête. Quoi. Ils se donnent toute l'année pour pouvoir organiser cette course. C'est donc un sport individuel, mais la clé de la réussite, c'est le collectif, c'est oh, l'équipe. Oui. Voilà un beau message. Merci beaucoup, merci beaucoup Daniel oui, pour ce merci. que vous faites. On espère être là, euh, au moins au départ, peut-être à l'arrivée de la prochaine course euh, en 2022. Merci Sofiane Regig qui euh, est là à vos côtés pour euh, vous remettre ce trophée. On souhaite une longue vie, bien évidemment, aux Foulées montrelaise. Merci, merci beaucoup. Bien. C'est un binôme féminin que je rejoins maintenant pour honorer Marianne. Marianne Moignard. Marianne. Marianne, beaucoup d'enfants de la ville de Montreux vous connaissent parce que vous avez commencé votre carrière en 1976 comme surveillante et animatrice au centre de loisirs. Du centre de loisirs, vous avez fait un certain nombre d'emplois de, et de métiers euh, variés dans le secteur privé. Et finalement, l'appel de l'enfance, de la jeunesse euh, est, euh, vous, est venu jusqu'à votre oreille et vous êtes rentré à l'éducation nationale en 1986, tout d'abord comme professeur des écoles, puis comme directrice d'école. Cela ne suffisait pas à votre ambition de transmission, d'animation et notamment à votre ambition culturelle. Je suis heureux que nous soyons ici pour nous retrouver. Au sein du chantier du Majestic, le futur équipement culturel phare de la ville de Montreux. En 2006, vous intégrez la mairie de Montreux, tout d'abord pour coordonner les équipes de réussite éducative dans la prolongation naturelle de votre investissement au service de l'éducation. Puis, l'appel de la culture résonne et vous donnez responsable de la vie culturelle avant de terminer votre carrière à la mairie de Montreux. En tant que directrice de la culture, vous avez pris votre retraite en août 2000. 18, vous êtes une retraitée jeune, heureuse et dynamique. Pouvez-vous peut-être nous dire un mot, justement, sur comment, après autant d'activités au service des autres et au service de cause, l'éducation et de la culture, qui sont certainement parmi les plus belles de l'action publique, comment on réussit à trouver encore de l'intérêt dans une retraite, peut-être en famille, peut-être en voyage, peut-être encore au service des autres Alors, pour l'instant, comme je viens de déménager... Dans le, dans le midi, je, je commence à m'installer, mais je pense justement à intégrer des associations, enfin faire, des, faire des démarches, parce que pour l'instant, je trouve que la vie est un peu plate, justement. Donc je vais euh, lui donner un peu des dodanes. Voilà un message intéressant. La vie dans le Sud est peut-être plus ensoleillée, mais un peu plus plate qu'à Montreux. Montreux vous sera toujours ouverte, évidemment, euh, chère Marianne, pour que vous y reveniez autant que vous le souhaitez, et notamment pour assister à de formidables spectacles ici euh, au Majestique. C'est Majoline Bourget El Abidi, adjointe notamment aux ressources humaines, qui va vous remettre ce trophée des Montrelais de l'année pour l'ensemble évidemment de votre carrière et notamment toutes les années que vous avez données au service de la ville de Montreux et des causes municipales défendues par la ville de Montreux. Merci. Merci infiniment, Marianne. Merci. Et à puis vous. bonne retraite à vous ah oui. et joie <laughs> au long cours. Oui. Merci. Voilà. Merci. C'est ainsi que se termine notre remise des trophées des Montrelais. De l'année, et pourtant, nous avons encore une personne à honorer, un jeune Montrelais, qui le 14 mai dernier a accompli un acte exceptionnel. Yanis, Yanis Wardy, vous êtes nageur, vous aimez l'eau, vous nagez beaucoup, vous avez appris à nager dans la piscine de Montreux, vous avez remporté de nombreuses compétitions et un certain nombre de titres sous les couleurs du CSM Natation de Montreux, vous avez décidé de faire du sport. Votre métier, aujourd'hui vous êtes étudiant en STAPS, vous avez un travail également à Intersport, donc on voit que l'univers du sport est évidemment votre centre d'intérêt premier. Et le 14 mai, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, vous étiez au bord de la Seine lorsque vous vous êtes rendu compte qu'une personne en situation de détresse psychologique, mais ça vous ne le saviez pas encore, s'était jetée à l'eau et était en détresse physique. Et vous vous êtes jeté, vous, à l'eau, en bon nageur que vous l'êtes, mais peut-être sans réfléchir à cela, pour aller lui sauver la vie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur ce qui s'est passé, comment vous avez vécu cet événement euh, incroyable On va dire que je n'ai pas réellement réfléchi sur le coup. C'était plus un acte humain, avant toute chose. Et puis, euh, j'ai plongé, comme on, comme on dit, la tête la première. Je n'ai pas réfléchi, je suis allé le récupérer et... Et puis on a essayé de le raisonner pour qu'il puisse, euh, qu puisse se calmer un peu. Mais euh, oui, euh, c'était vraiment un acte humain. J'ai pensé à rien du tout sur le moment. C'était que le coup de l'adrénaline. Et vous dites on, parce que vous avez été tout seul à vous jeter à l'eau. Mais vous avez des amis à vous qui euh, ont joué un rôle majeur à un moment donné dans ce sauvetage. C'est ça. On était, on était quatre en tout. Et puis euh, je suis le seul à aller, à aller être à l'eau. Mais on était, les trois autres étaient en dehors de l'eau pour pouvoir m'aider à le sortir. Si j'étais seul, je n'aurais pas, pas pu le sortir tout seul. C'est donc un acte individuel, mais avec un effort collectif qui a permis de sauver une vie, puisque la personne que vous êtes allée secourir, eh bien vous avez pu lui sauver la vie. Alors cet acte a été porté à la connaissance de M. le préfet. Et je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous remettre, au nom du préfet, une distinction. Monsieur Yanis Wardi, au nom du ministre de l'Intérieur, je vous décerne la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Merci. Merci à vous. Félicitations euh, vraiment du fond du cœur. Et, euh, vous êtes un exemple pour tous les jeunes et, et les moins jeunes d'ailleurs qui, à un moment de leur vie, peuvent agir un acte qui change la vie d'autrui. Et c'est, je crois, ce qu'en tant qu'élu, avec Gilles Asfaux, qui est adjoint au maire délégué notamment aux questions de sécurité, ce que chacun des élus, des responsables associatifs que nous venons d'honorer, des commerçants, ce que chacun dans sa vie peut faire. Chaque petite chose, chaque grande chose, comme vous l'avez fait, peut inverser le cours des vies positivement. Merci, bravo, nous sommes évidemment extrêmement fiers de vous. Je vous propose de poursuivre notre visite. Du chantier du Majestic. Nous sommes ici sur la galerie supérieure qui permettra aux spectateurs d'accéder à la salle de spectacle. Je veux profiter de ce moment pour vous donner quelques informations sur ce que représente un chantier comme celui du Majestic. Vous avez vu de l'extérieur ce bâtiment important se construire. Quelques informations sur comment ce bâtiment s'est construit. Eh bien, il a nécessité un volume de béton de 2600 mètres cubes, ce qui est absolument considérable, auquel il a fallu ajouter, pour la solidité de l'édifice, 185 tonnes de ferraille. Pour alléger ce bâtiment extrêmement massif et important, le projet architectural a prévu une façade vitrée. Cette façade vitrée elle est d'une superficie de 720 mètres carrés. Nous avons 720 m carrés de façade vitrée pour donner énormément de lumière à l'intérieur de toutes les parties communes, ce chantier évidemment est, ayant été réalisé de sorte à minimiser les nuisances pour son environnement immédiat et pour les ouvriers qui y travaillent. Sur cette galerie à l'étage, la municipalité a décidé d'installer ici, tout le long de cette galerie de circulation, une galerie de la faïence. La galerie de la faïence ce sera en fait une réinstallation des plus belles collections de faïences qui sont aujourd'hui installées dans le musée de la faïence en centre-ville, un musée consacré à la faïence mais dont l'attractivité a quelque peu décliné au fil des années et aujourd'hui, la municipalité a considéré qu'il fallait mieux apporter la faïence là où il y avait des yeux pour en profiter plutôt que d'espérer que peut-être il y ait des visiteurs dans un musée qui n'est plus attractif. Ici donc des galeries, une galerie de la faïence prendra place avec à la fois une collection permanente avec les plus belles pièces et puis des expositions temporaires qui permettront à chaque en tout cas de façon régulière que les spectateurs puissent découvrir de nouvelles pièces des collections de faïence de Montreux ce sera donc ici la galerie de la faïence le deuxième équipement culturel permanent que j'évoquais tout à l'heure la microfolie étant dans le hall principal d'accueil et la Galerie de la Faïence, ici, à l'étage. Le Majestique est une salle de spectacle. La pièce maîtresse, c'est donc évidemment la salle de spectacle. C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant, cette salle de spectacle. Si elle est la pièce maîtresse, cela signifie que c'est ici qu'il a été apporté la plus grande attention de la part de ceux qui ont... Imaginez cette salle de la part de ceux qui l'ont construite. Vous avez vu euh, tout à l'heure combien les espaces communs étaient extrêmement lumineux et nous serons euh, dans une atmosphère très évanescente, très claire, très lumineuse. Ici, au contraire, l'atmosphère sera euh, beaucoup plus euh, cocooning, de sorte à pouvoir réserver l'attention des spectateurs sur ce qui se passera sur scène. Cette salle, elle est euh, la plus grande du sud de la Seine-et-Marne et même du sud. De l'île de France. Elle pourra accueillir, en fonction des configurations requises pour le spectacle produit sur scène, cette salle pourra accueillir entre 600 spectateurs lorsque la fosse sera utilisée, par exemple pour un orchestre utile pour un opéra ou pour un ballet. Et elle pourra accueillir jusqu'à 1300 spectateurs, par exemple pour les concerts de musique amplifiée. C'est la pièce majeure, je le disais. Et au fond, la personne la plus importante dans la construction du majestique, c'est l'acousticien. Ici euh, vont se produire des opéras, des ballets, du théâtre, de la danse, des concerts de toutes les formes de musique, de la musique classique, du jazz, du rock, du rap, de la musique de variété. Et euh, naturellement, chacune de ces productions nécessite une acoustique différente. Et c'est donc l'acousticien qui aura été le personnage central dans la conception et la mise en œuvre de cet objectif de faire du majestic la plus belle, la plus grande, la plus noble des salles de spectacle du sud de la seine-et-marne et du sud de l'île-de-france. puisque nous sommes ici au majestic et puisque c'est une visite que nous vous proposons, eh bien nous avons réservé une petite surprise aux Montrelaises et aux Montrelais qui suivent cette vidéo et je vous propose d'assister à la première représentation et ce sera une représentation musicale et je vais laisser euh, la parole à la musique et pour la première fois au majestique de Montreux la musique va résonner dans cette salle et c'est le jeune Serginet un jeune musicien montrelais, que je vais vous présenter dans quelques instants qui va vous interpréter la fantaisie impromptue opus 66 de Frédéric Chopin Serginet c'est à vous. Voilà, c'était la Fantaisie impromptue, opus 66 de Frédéric Chopin, interprétée par Serginet Nyoka. Serginet, c'est un jeune de Montreau, un élève du Conservatoire municipal Gaston Littèze de Montreau. Serginet, il est déjà, vous êtes déjà, un ambassadeur de Montreau aussi, parce que votre talent il est reconnu bien au-delà. Les murs de Montreau, nous avions eu l'occasion de vous découvrir avec votre frère. Lors d'une précédente cérémonie des vœux il y a deux ans ou trois ans je crois et depuis vous avez grandi votre talent s'est agrandi et la reconnaissance de vos pères également je demander à Stéphane Dervilès de bien vouloir me rejoindre en 2021 il n'y a pas si longtemps vous avez obtenu le premier prix du concours place au plus jeunes talent organisé par le conservatoire international de musique de chambre de Lyon et Nomad Play et vous avez un rêve une ambition un projet surtout, c'est celui de devenir pianiste-concertiste. Il y a une alternative, je crois, si ça ne fonctionne pas, vous voulez devenir ingénieur en conception de train. Enfin, je suis persuadé, je suis persuadé que vous deviendrez le pianiste-concertiste que vous aspirez. Est-ce que vous avez peut-être à moi nous dire, ou une anecdote à nous raconter Comment vous en êtes devenu au piano, et aussi jeune, et avec autant de talent à développer euh, Alors, euh, j'étais dans une église pendant un culte, euh, donc euh, le pianiste jouait et euh, je le regardais et à la fin du culte euh, je suis venu et euh, j'ai j'ai joué la même chose que lui euh, juste en le regardant. Et vous partir... n'aviez jamais fait de piano avant. Non jamais. Et en le regardant et en l'écoutant, vous avez pu reproduire ce qu'il avait joué. Oui. Si ça c'est pas du talent en l'état pur. Bravo, félicitations Stéphane Dervillez adjoint au maire délégué euh, notamment à la jeunesse vous remet ce trophée des Montrelettes de l'année. Attention à vos doigts, il est lourd, il ne faut pas abîmer vos doigts, c'est votre instrument de travail. En vous félicitant, c'est la municipalité qui vous félicite. On vous retrouve, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau morceau et une petite surprise à venir. Merci beaucoup, Serginet. Nous sommes ici sur la future scène du Majestic. Le Majestic ouvrira ses portes le 3 juin. Le 3 juin 2022, c'est demain. Les travaux de finition d'équipement sont en cours à l'intérieur et naturellement à l'extérieur. Ce sont des travaux d'aménagement qui vont permettre de faire un parvis et des emmarchements le long de, des voies de circulation. Évidemment, en parallèle du chantier, la municipalité a, a travaillé sur une programmation et à partir du 3 juin, un certain nombre de propositions culturelles vont être organisées et proposées. Aux Montrelais, aux habitants de Montreux, du territoire et bien au-delà. Et je vous propose, la municipalité vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui ce que sera la programmation, notamment du mois d'ouverture de ce mois de juin 2022. Et ce sont les élus qui vont dévoiler devant vous les têtes d'affiche qui se produiront ici au Majestique à partir du mois de juin, le 3 juin. Ce sera une maison ouverte, c'est-à-dire que la soirée sera gratuite. Évidemment, euh, sur tirage au sort des euh, habitants qui souhaiteront euh, participer à cette soirée, puisque la salle ne pourra pas contenir les 21 000 habitants de la ville de Montreux. Et nous démarrerons ici avec un orchestre, un grand orchestre, qui est l'Orchestre national d'Île-de-France, qui sera présent ici au Majestic pour cette soirée d'ouverture, avec des invités. Ce sont des surprises que l'orchestre et la municipalité sont en train de vous concocter pour, pour la première fois, vivre ce grand frisson de la grande musique ici, au Majestic. Le 3 juin, ce sera la fête à l'intérieur du Majestic, mais aussi à l'extérieur. Et pour poursuivre cette soirée inaugurale, la fête sera animée par un certain nombre d'artistes, et notamment DJ Cut Killer. Une légende depuis les années 90 pour tous les vieux qui, comme moi, ont connu ces années 90. Il a accompagné les plus grands de MC Solar à Akhenaton. On l'a entendu énormément sur Skyrock. Bref, c'est une légende. C'est une légende française de la musique DJ. Et il sera ici à Montreux le 3 juin à l'occasion de l'ouverture du Majestic. Dans les jours qui suivront, évidemment, de très nombreuses dates. Parmi elles, Mazika, Mazika euh, un orchestre entre euh, le classicisme et la culture populaire, un orchestre qui présente euh, les euh, plus grandes chansons des plus grandes chanteuses, des plus grandes divas du monde arabe, de Férouz à Kulthum, en passant par Warda. C'est l'ensemble du bassin méditerranéen qui viendra ici euh, résonner dans les murs du Majestic. Place à la danse également, puisque ce sont toutes les formes de spectacles, de culture, de divertissement qui euh, se tiendront ici euh, au Majestic. Et c'est la grande, l'immense, l'internationale, la très populaire Marie-Claude Pietragala qui viendra euh, éblouir les Montrelaises et les Montrelais sur les planches du euh, Majestic en ce mois de juin 2022. Parmi toutes les formes de musique, il y a le jazz et nous n'oublierons pas. Évidemment, pas le jazz à Montreux. Il est certainement l'une des plus belles figures de proue du jazz français et, en l'occurrence, du jazz franco-libanais. Il est trompettiste. On le voit souvent à la télévision. Il s'appelle Ibrahim Malouf et il sera également à Montreux en juin 2022 à l'occasion du mois d'ouverture du Majestic. Le Majestic, c'est. Une salle de spectacle que l'on a beaucoup appelée en mode projet grand théâtre. Alors évidemment, il y aura aussi du théâtre. Pour la première production théâtrale au Majestique de Montreux, la municipalité a choisi une pièce forte et une actrice rayonnante. Une vie de Simone Veil, tirée, spectacle théâtral tiré de l'autobiographie, sera présentée ici par l'immense Christiana Reali au cours de sa tournée partout en France, et elle nous fera revivre l'émotion de ce que fut la vie de l'immense Simone Veil. La municipalité euh, tient, à varier. tient à varier les plaisirs de la culture et du divertissement, et euh, à travailler un week-end de l'humour. Et puis, euh, si l'on est franc, en ces périodes un peu difficiles, où euh, la pression sociale due à la crise sanitaire est importante, rire un peu fera certainement beaucoup de bien. Parmi les comédiens qui euh, seront là au Majestic en juin prochain, nous pouvons vous annoncer la présence de Monsieur Fabrice Eboué, avec son nouveau spectacle. Adieu hier, il retrouvera les planches de Montreux où il est déjà venu se produire. Il ne sera pas seul, ils seront plusieurs. Et aux côtés notamment de Fabrice Eboué, nous trouverons également l'un des plus drôles de la scène française. Il s'est souvent produit au festival Montreux Comédie et au campus Comédie Tour, par exemple. Il sera au Majestic de Montreux, c'est Jason Brokers. À l'humour impitoyable. Fabrice Eboué, et Jason Brokers, pour ce week-end de l'humour parmi d'autres. Humoristes. Un plateau d'humour, également euh, un plateau de rap, puisque toutes les musiques trouveront euh, leur expression euh, ici. Ce plateau de rap, nous sommes en train euh, de le construire autour de l'étau avec l'étau. L'étau, c'est euh, le rappeur qui rappe sur de la musique latino dans un bus qui roule au biogaz. Évidemment, un bus Ile-de-France euh, mobilité, et ce bus, il le transportera jusqu'à au majestique la scène de Montreux pour ce plateau rap ici en juin prochain. Quelques autres noms d'artistes, André Manoukian et Jean-François Zigel pour un duo, chacun derrière son clavier, tantôt complice, tantôt adversaire, les deux stars de la musique, les deux stars de la télévision aussi, seront ici pour un spectacle unique à deux têtes, à quatre mains. Peut-être à deux voix, André Manoukian et Jean-François Zigel. L'humour. L'humour se conjugue aussi au féminin. Et euh, c'est une humoriste qui foulera euh, les planches dans quelques mois du Majestic, tout le monde connaît sa phrase. C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Je m'y ai des guillemets, évidemment, je ne connais pas Kevin, mais Inès Reg connaît très bien Kevin. Et elle sera ici, au Majestic de Montreux, pour nous faire rire. Et nous avons besoin de rire. Nous n'oublions pas, évidemment, les plus jeunes de Montreux, du territoire de Montreux, qui aspirent, eux et elles aussi, à pouvoir assister à des spectacles, à des spectacles jeunes publics. La programmation du Majestic sera donc une programmation qui intégrera des spectacles pour les jeunes publics. Et nous aurons. Au démarrage de la saison 1 du Majestic, à partir du mois de septembre prochain, l'immense honneur d'accueillir ici Aldebert. Aldebert, il a fait de sa spécialité le fait de croquer le quotidien en quatre mots et en un refrain. Il chante, il amuse petits et grands, il enchante petits et grands et il sera, avec ses enfantillages, présent au Majestic dans quelques mois. Voilà, mesdames et messieurs, quelques-uns des artistes, ils ne seront évidemment pas les seuls, quelques-uns des artistes qui fouleront ici le plancher du Majestic à partir du 3 juin 2022, date à laquelle cet établissement, cet équipement culturel sera ouvert en votre présence lors d'une journée, d'une soirée, d'un concert ouvert au public. 2022, c'est évidemment l'année d'ouverture du Majestic, mais. Ce n'est pas pour la municipalité de Montreux le seul chantier, le seul dossier, le seul grand événement de l'année. Évidemment, la municipalité, dont une grande partie est réunie ici pour vous aujourd'hui, travaille sur d'autres chantiers. Un certain nombre d'entre eux verront leur terminaison dès cette année 2022. Je veux parler des travaux au sein de l'ancienne trésorerie qui accueilleront à partir de la rentrée de septembre prochain un pôle médical municipal, un nouveau poste de police municipale, un nouveau centre superviseur urbain, de sorte à garantir un meilleur accès aux soins et à la santé, de sorte à garantir une meilleure sécurité pour les habitants. Le chantier de réaménagement du parvis de la collégiale Notre-Dame et Saint-Louis a commencé il y a quelques jours et durera trois mois. Il sera donc terminé en 2022. De même, nous sommes en train de construire. Un nouveau bâtiment à l'école élémentaire Pierre et Marie Curie qui sera terminé pour cet été. Et c'est alors un nouveau chantier, cette fois, d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle des Ormeaux qui pourra démarrer. Les locaux commerciaux qui appartiennent à la ville de Montreux, place claude démarre du en face de la mairie, seront dans les mois qui viennent aménagés, de sorte à pouvoir accueillir deux cellules commerciales en rez-de-chaussée et un espace de travail, Coworking, Fab Lab. À l'étage, ceci pour dans les quelques mois prochains. Il y a un certain nombre de projets de construction, de sorte à pouvoir faciliter l'accès aux logements au plus grand nombre qui sont en cours de réalisation, qui seront lancés. Je veux évidemment évoquer la livraison prochaine de 72 logements face à la gare. Le chantier ne vous a certainement pas échappé. Et puis un projet de 20 logements juste en face de l'hôpital de Montreux spécifiquement réservé au personnel de santé pour pouvoir attirer, euh, rendre compétitif notre territoire, pour attirer des médecins à euh, Montreux. L'ancien Hôtel-Dieu, puisque nous sommes à l'hôpital, sera, lui, euh, transformé, en tout cas le chantier démarra d'ici la fin de l'année, pour accueillir une résidence service senior de 126 logements pour que les seniors, les aînés qui sont autonomes, mais euh, qui veulent accéder à un logement adapté, puissent le faire dans euh, ce bâtiment de l'Hôtel-Dieu entièrement réhabilité. Des chantiers euh, plus stratégiques sont également menés en 2022. C'est l'année de la réécriture de notre plan local d'urbanisme. C'est aussi l'année de la signature de la convention en rue, cette convention qui doit permettre de poursuivre la transformation du quartier de Surville. Mesdames et Messieurs, 2022 sera à nouveau une année particulièrement active ici à Montreux. La municipalité s'y est engagée et la municipalité tient son engagement. Symboliquement, nous sommes ici réunis au Majestic pour vous formuler des vœux de bonheur, des vœux de santé, tout particulièrement en cette période de crise sanitaire, particulièrement éprouvante pour les uns et les autres. Nous sommes mobilisés chaque jour, de chaque semaine. Il n'y a pas de temps mort, ni pour les agents municipaux, ni pour les élus de la municipalité pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos habitants, pour essayer d'amortir ce que sont les fractures sociales, sanitaires que peuvent vivre les habitants de notre territoire. Nous formulons à votre endroit des vœux de santé, des vœux de bonheur pour vous, pour ceux qui vous sont chers, pour que notre territoire puisse se développer en harmonie dans un monde lui aussi d'harmonie. Et l'harmonie l'harmonie c'est aussi celle de la musique. Nous vous proposons donc de terminer cette cérémonie virtuelle de vœux au sein du Majestic en musique. Sergine est resté à nos côtés. Il a été rejoint par Belliney, Bellinette Boscan, violoniste montrelaise, élève du conservatoire de Montreau, qui s'est déjà produite lors des cérémonies de vœux dans les années précédentes. Bellinaï est violoniste, elle fait aussi du karaté, ce sont ses deux passions. Et Serginaï et Bellinaï nous ont préparé une pièce à deux, une sonate pour piano et violon. C'est ainsi que nous allons nous quitter en musique, en vous souhaitant tous une excellente année 2022. you